Salut tout le monde, ici c'est Yoko pour la 22e partie, si je dis pas de bêtises, sur FF7. Alors attendez, là faut pas que je me gourre. Ouais, c'est celle-là. J'espère, sinon on est dans la crotte. Donc oui, en fait j'avais déjà fait un essai hier, mais on va dire que j'avais omis un détail important et du coup j'ai préféré recommencer. Alors aujourd'hui ça va donc être une vidéo particulière. Tout du moins le début va l'être. Donc là on va continuer l'air de rien, hein, comme si de rien n'était, mais je ferai une coupure. Pourquoi je ferai une coupure? Tout simplement, donc je vous l'avais dit, il y a quelques items uniques à récupérer. Hein, jusque-là on est tous d'accord. Là il y a malheureusement c'est juste maintenant. Il y a un item. Quoi que je suis con. Non, il y a un. Bah non, je suis pas con. Quoi qu'il y a, donc il y a un item particulier à récupérer. Et ce monstre et cet item ne sont disponibles qu'ici, donc et malheureusement cet objet reste relativement rare. Et vous allez comprendre pourquoi je l'ai pas fait hors caméra, c'est que malheureusement pour moi, voilà, bim, il y a une cinématique juste là, juste avant la zone, là, juste après la petite flèche rouge, là c'est ma zone. Mais malheureusement, je peux pas vous zapper ça non plus, quoi. Hein. Le but du let's play c'est quand même de vous montrer l'intégralité de ce que je fais, sauf les séances de farm intensif. Au début, je voulais l'imposer, mais ça m'a pris trop de temps. Pendant une demi-heure, j'ai farmé, j'ai toujours pas eu ce que je voulais, donc. Mais bon, bref. Donc là, ce qu'on vient de voir, c'est le cratère nord, hein, et le labyrinthe tornade. Hop, on se barre. Voilà, donc ici, en plus, il y a pas mal de dialogues, donc c'est pour ça que j'étais obligé de venir en filmant. Donc je vais faire tout le blabla maintenant. Un vieux cratère. Quelque chose est tombé du ciel et s'est écrasé ici. Donc lui, là, il parle évidemment de la calamité des cieux, donc de Genova qui s'est écrasée ici. Donc c'est le cratère qu'elle a laissé. Et donc évidemment, il y a toute l'énergie de la Terre qui se rassemble ici pour cicatriser, quoi. En laissant une plaie béante sur la planète. L'énergie de la planète est concentrée ici. Elle guérit progressivement sa vieille blessure. Sephiroth s'est emparé de cette énergie et essaie d'utiliser le météore. La prochaine fois, la plaie ne sera pas si petite. Voilà, donc là, bref, c'est dans cette zone ici, hein, juste là. C'est le seul endroit du jeu où on pourra rencontrer les gigas. En tout cas ceux-là, j'ai pas souvenir de les avoir déjà rencontrés. Bon, pas ceux-là évidemment. Alors eux, mais eux, je fais pause, ils sont méga lourdingues quoi. Vous vous rappelez d'eux, ben, dès que vous les tapez un peu trop fort, ils explosent. Le truc c'est quand ils sont tout seuls, bon ben, ils ont tué, au pire ils tuent un de vos personnages. Mais je vais tout de suite déplacer toute l'équipe. Parce que ça va me gonfler. Parce qu'en fait ils font à peu près 3002, 3003 de dégâts. 3300 en moyenne de dégâts, donc ben mes persos crèvent en one shot. Voilà, donc il se fait péter, on perd la moitié de notre vie, c'est triste. Tandis que quand je fais ça, mes chances de survie augmentent quand même un peu. Ce qui est plutôt cool. Donc ces combats sont pas intéressants tout simplement parce que ben voilà, on ne gagne rien quand ils se détruisent. Vous gagnez aucun AP, aucun objet, aucun XP, aucun GIF, enfin rien de rien quoi. Donc voilà, vous comprenez mieux maintenant pourquoi je les ai mis en ligne arrière. Alors faut que je les mette là définitivement. Parce que de mémoire ça ne reste que pour le combat, ouais. Et là, autre truc chiant, on est obligé de prendre Aeris. Ouais, Aeris évidemment, on va prendre une morte dans l'équipe. On est obligé de prendre Tifa dans l'équipe. Je sais plus où. Alors juste avant de sortir de la zone. Voilà, donc lui est mort. De retour à Sephiroth. Ouais, t'es mort. Voilà, un combat. J'aimerais bien qu'il y ait au moins un combat face à un giga, que vous voyez à quoi il ressemble.
Parce que moi après je vais me... Putain, c'est pas vrai quoi. Moi après je vais me le taper pendant un moment donc. Bah donc vous me direz, on se tape Shiva maintenant. Non mais ça va mal aujourd'hui. Hein. On se tape Tifa aujourd'hui. J'ai un mal de chien à faire des phrases, donc on se tape Tifa, c'est pas grave. Le truc c'est que ces enfoirés, je me suis fait avoir hier, ils vous la claquent dans les pattes, mais vous n'avez pas le temps de déséquiper le personnage que vous voulez remplacer. On vous dit directement, il y a Cloud, il y a Tifa, choisis le troisième. Sauf que vous, ben, vous avez deux persos avec vos belles matérias dessus, quoi. Donc hier je me suis fait niquer, quoi. Et on peut pas rechanger tout de suite, il faut se rebarrer tout en arrière. Donc je vais tout de suite déséquiper. Hop, on va arranger tout le monde. Arranger. Parti, voilà. Alors si je fais tout ça, c'est tout simplement pour ne pas me prendre la tête et rebalancer mes matérias direct. Hein. Hop. On équipe. On enlève son petit ruban. Bon, on lui laisse le bracelet Aurore. De toute façon, Tifa. Oh, voilà, si Tifa aura droit à. Attendez, je vérifie quand même, parce que c'est juste là, on fait quelques points et on y est. Je préfère être sûr de rien oublier parce que c'est chiant de se taper l'aller-retour juste pour dire de pouvoir échanger un perso le temps d'une matéria, quoi. Ouais, non, ça a l'air bon. Voilà, hop, Cloud, attends-moi. Voilà, et cette greluche, elle débarque. Et elle veut venir. Elle fout rien depuis le début. S'il te plaît, emmène, carrément, emmène-moi. Tu vas mettre les choses au point avec Sephiroth, n'est-ce pas? Ouais, on va lui péter sa gueule. Il a tué Aerys, salaud. Cause de Sephiroth, moi aussi j'ai perdu beaucoup, alors emmène-moi s'il te plaît. Dis pas non s'il te plaît, ok? Voilà, bim! Il n'y a rien à faire. Voilà, et vous vous retrouvez ici. Vous vous dites, bah c'est pas grave. Tu prends ton perso. Voilà. Et tu reparles à lui, sauf que bah, en fait lui il fait rien. Mon ami, je te suis sincèrement reconnaissant. Tu veux te reposer un peu? Voilà, et il se passe que dalle. Voilà. Donc ça blaze. Surtout qu'elle débarque, regardez, elle est level 39, hein, donc bah, beaucoup plus faible évidemment. Donc déjà là c'est génial, hein, c'est joyeux. On va mettre salut en attendant. Voilà, donc vous voyez. Donc les gigas, oui je vous l'explique tout de suite tant que je vous ai sous la main. Les gigas en fait pour obtenir l'objet, donc l'objet que je vais obtenir c'est le magnétérien, donc ça permet de faire trembler 3 en utilisant un item. Donc ben, je vais en choper au moins 2, hein, évidemment. Le truc, c'est que pour choper cet objet, il faut absolument ne pas voler Giga, parce que Giga possède le bracelet Giga sur lui. Mais bon, je m'en fous étant donné que ben déjà on l'a déjà. Qui plus est, il est vraiment pas intéressant parce que défense magique est zéro. Aucun intérêt parce que ben, du coup on serait un peu violé si un mec nous balance une magie, quoi. Alors, je balance mon bracelet dragon, hein, il est aussi bon. Et il arrête le feu, la glace et la foudre, mais il arrête pas vraiment, il diminue les dégâts, je crois, parce que j'ai déjà pris des dégâts de feu et ça n'a pas diminué. Alors, talent ennemi, trance, poème, super chance, longue portée. D'ailleurs, ça me fait penser que longue portée serait plus intelligent de ma part de le claquer. Voilà, à lui. Hop. Alors, restaurer tout. Glace, tout. On va mettre comète elle de base, ça ne fera rien normalement. Mais bon. Voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai toujours pas montré Alexandre. Voilà, donc là on est fin prêt. Là, on peut se rebarrer au premier écran. Obligatoire de le faire maintenant. Si vous ne le faites pas maintenant, vous finissez le cratère. Cet écran, vous ne le voyez plus jamais. Vous ne pourrez plus jamais choper de magnétérien de votre vie. Hein. Enfin, de votre vie, de cette partie, quoi. Je dramatise un peu, mais c'est exactement ça. C'est pour ça que je suis obligé de le faire. Hier, j'ai voulu le faire en live. Grosse erreur. 30 minutes de vidéo, j'avais toujours pas chopé le deuxième. Donc, ça m'a fait péter un câble. J'ai dit, ok, j'abandonne. Parce que c'était bouffer des gigas pour rien. Des gigas de mémoire, pas des gigas de monstre. Donc là, je vais juste faire un combat histoire que vous voyez à quoi il ressemble. Je le trouve trop classe ce monstre. On dirait un gardien. Mais évidemment, on va pas le rencontrer, ce serait trop facile. Donc, le seul avantage par contre à prendre Tifa, c'est que. Oh, ouais, ça fait que dalle. C'est que comparé à notre ami Cid, nickel, comparé à notre ami Cid, elle a beaucoup plus de magie. Cid n'avait que 62 points de magie, si je dis pas de bêtises, quand on avait regardé la dernière fois. Là où Tifa, elle est déjà à un level beaucoup plus faible, elle en est à 70. Donc bah, c'est tout bonus quoi, hein. Les magies soigneront un peu mieux quoi. Logiquement.
Je sais plus si c'est la sagesse ou que la magie qui influe là-dessus. Putain, mais c'est pas vrai quoi. Donc voyez, vous imaginez quoi. Hop, on va invoquer Alexandre pour que vous le voyez. Donc voilà, ça a donné ça hier. J'ai galéré. En plus, ces monstres-là, bah, font perdre du temps quoi. Ils font clairement perdre du temps. Alors, Alexandre, jamais compris pourquoi c'est un robot. Parce que c'est une magie sacrée. De mémoire, c'est le seul qui fait ça d'ailleurs. Ah, quoi que non, il y a les chevets de la table ronde aussi, je crois. Voilà. Je l'aime et je l'aime pas, lui, il est assez particulier en fait. Il est assez particulier. Hop. Bah, ce qui me fout un peu les boules, c'est que j'ai foutu en l'air une demi-heure d'entraînement, puisque bah, Tifa, forcément, ses levels avaient légèrement augmenté. Et j'avais chopé une nouvelle limite pour Cloud en plus. C'est dire. Ah, ça y est, voyez, le giga, ne pas le voler. Surtout pas. Ça, c'est pas bon. Si vous le volez, l'objet, vous pouvez pas le récupérer. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Voilà. Il est pas très fort, il est impressionnant. Ce qui fait un peu 5 mètres de haut. Moi, je le trouve vraiment classe. Je le trouve stylé pour un mob lambda qu'on croise vraiment qu'à l'arrache. Je le trouve trop stylé, quoi. Bim, tiens. Donc si je fais des dégâts de merde, c'est normal. Hein. Vu qu'on est en dernière ligne, les dommages sont divisés par deux. Il n'y a que Cloud qui fait des dégâts normaux, vu que je lui ai mis longue portée. Donc voilà. Donc il est pas très dur. Oui, il fait que dalle, hein. Et il est tout faiblard, quoi. Alors qu'à la base, dans ma tête, moi, pour moi, les gigas, c'était des monstres qui mettaient des buffs, enfin des attaques physiques hyper balèzes. Voilà, que dalle. Donc voilà, il faut une chance de Furax pour en choper. Donc j'ai été voir sur internet et il n'y a pas que moi, hein. Tout le monde a l'air de galérer à peu près. Bon, à part 2-3 mouleux évidemment qui arrivent toujours à tout choper en deux tours, mais. Bon, hop, on va tout faire péter. Tiens, crève! Toi, on va te soigner. Voilà, le problème de Tifa, c'est que pour l'instant, on a que dalle en points de vie. Quoi. On a 1000 points de vie en moins comparé aux autres. Ce qui est énorme. Tiens, putain, il était motivé, Cloud, c'est cool. Donc voilà, donc la vidéo va s'arrêter là. Je vais retourner au point de save pour vous. Même pas, je vais rester là, de toute façon, ça sert à rien du tout. De retourner au point de save pour rien. Donc voilà. Donc vous avez vu Giga, vous avez vu ce qu'il me reste à faire, c'est affronter cette merde 3 millions de fois, histoire de choper le magnétérien. Rassurez-vous, après le magnétérien, dites-vous qu'il n'y a plus que deux objets à choper. Donc, et c'est pas pour tout de suite. C'est à peu près au même endroit, donc normalement je pourrais à peu près synthétiser pour que vous vous en rendiez pas compte. Voir avec un peu de chance directement les... Il y a des objets, c'est du vol, donc ça ira tout seul. Et un autre, c'est du farm, mais ça devrait aller vite. Voilà, donc désolé pour cette petite coupure, malheureusement, je vais vraiment pas vous imposer cette merde de farm, parce que c'est vraiment chiant. Moi, ça m'a fait péter un plomb hier, donc j'imagine quand on regarde à quel point on va s'emmerder. Surtout qu'on n'a pas grand-chose à dire dans ce genre de cas. Voilà, donc bah, pour moi, ce sera tout à l'heure, mais pour vous, je vous dis bah, à tout de suite pour la séance après farm. Re tout le monde! Donc ça y est, hein, ma session farm est faite. Alors je sais pas ça fait combien de temps que je farm, mais bon, ça m'a pris un certain temps. J'ai surtout eu une méga flemme parce que c'était la misère. Il y a eu, je crois, 5 jours hein, entre le moment où j'ai commencé le farm et où j'ai arrêté parce que ça me pompait, mais quelque chose de farmineux. Alors tout ça pour... ceci. Alors, pour faire clair, je me rappelle plus si j'avais expliqué dans la première partie qui a dû durer 10 minutes. En gros, cet objet de merde n'apparaît que sur les gigas. Ouais, c'est bien ici. N'apparaissent que sur les gigas. Gigas qui apparaissent une fois sur 3, voire sur 4. Et...
Et cet objet ne le lâche qu'à, j'ai regardé sur internet, qu'il y a 13 ou 14% de chances qu'il le lâche. Donc mis tout ça ensemble plus ma poisse, ça fait que ben on l'a jamais en fait. J'ai dû en affronter des chiens. Voilà, donc j'en affronte un, je me rappelle plus si je vous l'avais montré dans la première partie. Donc c'est ce monstre-là. Il est pas très fort. Il est très classe. J'ai certainement dû le dire dans la première partie, mais au pire je me répète, je m'en fous. Je m'en rappelle plus, ça fait une semaine. Mais il est très classe. Moi je l'aime beaucoup. Ne surtout pas le voler, je le répète peut-être, mais. Ne surtout pas le voler parce que dès que vous le volez, en fait, ça annule complètement vos chances d'avoir l'objet maillet terrien. Ça les réduit à 0%. Pourquoi, je ne sais pas. Mais c'est comme ça. De toute façon, dites-vous que le seul objet qu'il a, c'est Bracelet Giga. Mais Bracelet Giga, ça a une grande défense physique, mais niveau magique, ça a 0. Alors, donc là, si j'ai maillet terrien, je vais être dégoûté. Ah bah, tout plus 1. Ok, j'en ai pas eu, donc c'est déjà ça. Donc Cloud, je sais plus si vous l'aviez vu, donc a une nouvelle limite, finition. C'est une limite en fait qui expulse tout simplement les adversaires. Lui toujours pas de mémoire et elle pareil, que dalle. Elle a gagné quelques levels parce qu'elle a vraiment du mal. Hein, la Tifa, on sent les niveaux de différence quoi. Elle en prend plein la gueule. Les matérias, non, non. Je vérifie s'il y en a pas une qui a gagné des levels. Donc foudre 3 maintenant, je crois que c'est ça que vous avez raté. Foudre 3, donc il y a tout un peu qu'un niveau plus. Poison 3, donc bio 3. Monde base, on s'en fout. Alexandre, Bamut. D'ailleurs, Bamut qui va passer un level assez rapidement. Sentir animé. Absorption, absorption. Terre, donc tremble 3, tout. Feu 3, tout. Manipuler, c'est tout. Les talents de l'ennemi, Transquem. Ouais, donc là maintenant on a guéri 3, donc régène et guéri 3. Je crois que je les ai appris pendant le farm, je ne me souviens plus trop. Donc tout, glace 3, tout. Comète qui va bientôt être comète 2, en fait, j'avais pas vu. Et élément de base, voilà. C'est peut-être ça d'ailleurs qu'elle prend cher. Bon, je vais le laisser, on verra bien. Écoutez. Donc voilà, je suis content, j'ai tout de suite eu le combat contre le Giga. Parce que c'est un ennemi qui n'apparaît qu'ici, donc si je ne vous le montrais pas maintenant, bah, je vous le montrerai jamais. Ah merde, il a disparu. Bon, tant pis. J'espère qu'il lâchait rien d'important. Je vais vérifier mes petites notes. Non. Alors ici, ne ratez surtout pas ça. Ça, c'est Néo Bahamut. Néo Bahamut, bah, ça porte son nom, c'est un nouveau Bahamut. Donc on va virer le petit Alexandre pour vous montrer Néo Bahamut. Néo Bahamut, ben c'est un autre dragon. Je ne me souviens plus trop. Il y en a un des trois que j'aime pas trop. Je crois que c'est Néo Bahamut que j'aime pas trop. C'est une espèce de dragon rouge volant. Je le trouve pas très beau, il me semble. Qu'est-ce que tu fais, Cloud? L'autre, on appuie sur O, il descend. Voilà. Donc là, je vais faire une save parce que j'en ai pas encore faite. Je fonctionne à la save state depuis ma séance de farm. Je voulais pas sauvegarder au cas où ça partait en couille. On va faire ici. Hop, voilà. Ouais, donc il y a quand même. Non, 2 heures, j'ai exagéré. Il y a eu une bonne heure, mais 1 heure, c'est très long pour farmer. Alors, c'est bon. Donc, je vérifiais juste qu'on n'avait pas d'autres objets à ramasser. Donc, c'est le seul objet à ramasser ici, rare. Ici, c'est assez chiant, vous allez voir. C'est quoi? Ah ok. Il y a le président qui débarque en haut vent. Te voilà enfin. Tiens! Ouais bon, t'es pareil à chaque fois, espèce de débile. Alors lui il est pas aidé quand même le Rufus, il a Scarlett la cruche qui rigole comme une débile, il y a Heidegger le Grolard qui rigole comme un débile. C'est incroyable, ouais j'arrête pas de le dire. C'est la terre promise que le président cherchait. Mais c'est à moi qu'elle appartiendra. Pardon, vieil homme. Cette terre n'appartient à personne. C'est ici qu'aura lieu la réunion où tout le monde se rassemble. Je me demande si nous verrons Sephiroth. Donc il y a de la compagnie qui arrive. Voilà, donc on se barre. Alors ici on va arriver à une partie bien relou. Vraiment, voilà.
Là, ça vous montre qu'en fait les vents sont violents et blessent. Voilà, je vais vous l'expliquer. Nous devons traverser lorsque le vent est calme, nous serons ballottés dans tous les sens. D'accord. Donc il y aura toujours. Gloop, Sephiroth. Super potion, donc j'ai peut-être atteint un item. C'est pas grave. Éther, donc. Quand c'est fort clair, faut pas passer. Et quand c'est quasiment invisible, vous pouvez y aller, voilà. Donc il y a trois paliers. Le premier, les bidons, hein, voilà. C'est celui-là. Putain, il y a du monde. Donc tout ça, ce sont des clones de Sephiroth. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on comprend. Il y en a un paquet. Et ils sont bien teubés. Il y en a, enfin, pas teubés, ils sont épuisés en fait. Ils ont très peu d'énergie. Faut dire que Cloud, qui est du soldat, en prend plein la gueule. Alors j'imagine pas les petits clones tout mignons là. Wow. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Sculpture A. Est-ce qu'on peut les voler? Est-ce qu'on peut les manipuler? Il n'y a rien à voler. Ah, on peut les manipuler par contre. Vous voyez, elle en fait très mal. Donc Tifa fait beaucoup moins mal que le reste parce qu'elle est en dernière ligne. Hein, quand même, c'est la soigneuse, enfin la guérisseuse. Ah, je l'ai vexé. Je l'ai mis en dernière ligne parce qu'en plus, comme elle n'est que level 42, je suis con. Pourquoi je vole? Je voulais faire manip. Bon, tant pis. Je suppose que je l'aurais noté si j'avais un ennemi à affronter. Donc, comme je disais, comme elle est d'un level inférieur à tout le reste, je la mets derrière. Oh, voilà, donc Comet 2, ça y est. Alors, autant vous dire que celui-là il fait mal. Par contre, Comet 2 de mémoire il peut rater, hein, donc, assez souvent il me semble. Alors, qu'est-ce que tu nous lâches, toi? Que dalle, radin. Point de Kaiser, donc ça c'est énorme pour Tifa. Oh, ça a plein de slots, mais c'est tout pourritos. En plus, il n'y en a que deux de liés. Je comprends pas pourquoi plus tard dans le jeu, il nous file des armes aussi bidons. Je veux dire, regardez, il y a quand même une différence notable. Ok, il y a deux slots en plus pour le mettre des matériaux, mais. Putain, il n'a pas d'accessoires, je viens de le remarquer. Mais quand même, quoi. Je veux dire, là, il y a un écart trop monstrueux pour qu'on puisse passer au-dessus, quoi. Voilà. Toi tu lâches rien. Voilà. Toi tu meurs bêtement. Donc ici de toute façon il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas grand chose à faire. À part grimper quoi, tout simplement, grimper. Ah, on peut lui voler quelque chose. Et on peut le manipuler, c'est magnifique. Ferrer. Bourrade, Slipel, c'est silence. Quand on voit les bourrades, ce sont pas des talents ennemis, donc on s'en fout. On va tenter de le voler une dernière fois. Eh ben, va te faire voir. Bah, mets-toi coup, on vole dans la tronche. Bim! Il n'y a pas à dire, hein. Nanaki et Cloud, ils font très mal. Enfin, quoique pour un level 50, c'est pas très fort. Hein. Mais bon, pour l'instant, faut dire que j'ai pas non plus encore les meilleurs équipements. J'ai pas bouffé de source. J'en ai mangé aucune hein, depuis le début du jeu, ils sont tous en stock. Enfin, je les garde toujours pour la fin, j'aime bien. Un peu comme dans Pokémon, je l'avais fait, il me semble, bouffer les protéines et compagnie, tout à la fin. Eh bien, c'est pareil. Qu'est-ce que c'est que ces choses? Ouais, des gremlins. Ah, c'est ça. Ah bah ouais, c'est des gremlins, d'accord. Ouais, c'est marrant cette attaque. Wow! Et ça fout tristesse, d'accord. Et on peut l'envoler des temps, ça c'est cool. Alors toi, tu vas le soigner avec un hyper. Ah, mais font chier. Hein.
Alors, Lune Hurlante, je vous l'avais déjà montré, je pense, mais elle est sympa. En fait, elle met en fureur. Donc, je peux plus contrôler Nanaki, c'est fini. Mais il va mettre des baffes de psychopathe. Il est en mode berserk, je l'avais déjà expliqué. Hein. Vous allez voir, je vais vous montrer. Voilà. Et c'est pas un critique. Hein. Un petit guéri. Bim! J'aurais dû la garder parce que je crois qu'il y a un boss après. Ouais, c'est pas grave. Par contre, on se chope quand même pas mal d'expérience. Et c'est vrai que j'ai pas pensé. Bah, je vous montrerai pendant le boss, tiens, Néo Bahamut. J'espère que je peux passer à l'arrache. Y a... Oui! Alors, ici, en fait, il y a deux trucs à esquiver. Il y a le courant vent normal, plus cette espèce de tornade à esquiver, quoi. Si vous la prenez dans la gueule, que le vent soit calme ou pas, vous décollez, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh! C'est fini pour vous tous. Ça sert à quelque chose de... Bah si, c'est normal. Oui. C'est Firo! C'est la fin! Tu as raison, c'est fini, ce corps n'a plus d'utilité. Il a disparu. Il est peut-être toujours dans le coin. Bon, je sais plus où il apparaît. Il n'y a rien à faire ici, hein, de toute façon. Bon, moi je regarde l'arrière, je vois qu'il regarde devant. Notre but est de remettre la matière noire à notre maître. Oui, et alors? Notre but? Je sens comme un danger. Non, ça sent le piège. Puis il y a un truc tout en haut, alors c'est un coffre peut-être. J'ai vu un point de save. Celui qui porte les cellules de Genova. Maître? Bien sûr, Sephiroth. Non, je comprends pas tout. Ouais, il y a bien un coffre. Hé hé hé. Et c'est un coquinou, c'est Féroïsme. Wow! Strike! Par contre, il marche vraiment comme un capé, je trouve, donc c'est dommage. Je sais pas, on dirait qu'il esquive un truc par terre, quoi, genre c'est chaud. Eh non, rêvez pas, on n'affronte pas ces Féro maintenant. J'aimerais bien. Parce qu'il est classe, mais non. Alors, on invoque tout de suite Néo Bahamut, talent ennemi, grande garde, hop, et une baffe. Moi je l'aime pas du tout celle-là, je la trouve moins classe. Enfin, dans mes souvenirs, il y a longtemps que je l'ai plus vue. On voit rien du tout. Ouais, elle est bizarre, vous voyez. La tête est bien. Elle est très bien, même, la tête. Elle ressemble vraiment à une tête de dragon. C'est les ailes, en fait, j'ai du mal. La tête de Genova qui est magnifique. Je vais me taire un petit peu, je vais vous laisser profiter. Voilà, donc, magnifique musique. Moi j'adore ce thème de toute façon. Alors, donc elle balance surtout les attaques feu. Je suis pas sûr que Bio fasse grand chose. On peut toujours essayer. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut lui balancer? Raté. Je vais balancer souffle magie, mais souffle magie ça bouffe énormément de magie. Ça porte bien son nom. Ça en mange 70-75, donc après je vais faire un marteau magie. En plus ça fait perdre que dalle.
talent ennemi. Marteau magie. Comme elle a beaucoup de mana, normalement je vais pouvoir faire le plein avec Tifa. Je vais faire sentir. Ouais, donc silence sur lui, ça marchera pas. Ouais, vous voyez, elle a encore 632. J'ai pas vu ses nombres de points de vie. Ah, elle a encore 17 000 quand même. J'étais en train de l'aménager en pensant de ne pas la tuer trop vite, mais. Bah, je vais lui bouffer tout son mana. Hop. Je vais peut-être quand même rebalancer une grande garde. Bah, faut se méfier quand même hein, des boss, faut jamais partir vainqueur, on sait jamais, faut jamais se dire ouais c'est bon, bon sauf si vous êtes level max, quoi, évidemment le risque est minime mais. Le seul reproche que j'ai à faire à Grande Garde, c'est justement il coûte quand même cher, hein, plus de 50 points de mana, pour finalement très peu de temps quoi, il s'estompe très vite. Hein. Y a que le boost qui reste tout le temps. Bah, d'ailleurs je vais faire un régène. Bim. Alors, régène c'est pratique, par contre il y a un défaut à régène, c'est enfin de mémoire encore une fois, c'est quand vous terminez un combat, marque magie, quand vous terminez un combat, donc je vais faire pause, donc là regardez mes points de vie, par exemple là je termine le combat, là maintenant il se termine, Tifa donc à la fin du combat aura tous ses HP, par contre Nanaki, comme il n'a pas récupéré avec régène son maximum de points de vie, eh bien il va retourner automatiquement au palier auquel il a démarré. Donc par exemple si j'avais 1500 points de vie quand j'ai lancé Regen, eh ben je me retrouverai à la fin du combat avec 1500 normalement. Il me semble que ça marchait comme ça quoi, c'est assez, ça me gonflait moi d'ailleurs. Hop. On va dire que c'est le défaut de Regen. Par contre vous voyez ça remonte hyper vite, hein. C'est un truc de fou. Et en plus, normalement, ça reste assez longtemps quand même. Voilà, c'est bientôt terminé. Ah bah voilà, on a usé tous les points de vie, les points de mana de ce Genova. Mais là, elle pourra plus nous faire grand chose, hein, honnêtement. Elle attaque même pas physiquement. Ah bah voilà, je vous ai montré une technique. Imaginez si vous avez mis. Si vous avez pas fait la même connerie que moi, mais que vous avez mis un talent ennemi sur chaque perso, et pas tous sur les mêmes. Bah vous pouvez la défoncer en 3 tours. Et encore, moi je suis pas. J'ai pas fait le bourrin là, j'ai pas balancé mes meilleures magies, j'aurais dû essayer Comète 2, j'ai oublié. Hop, level 50. Anneau reflet. Donc un reflet ça porte bien son nom, c'est un reflet automatique. Mais du coup même les soins sont reflétés, donc faites attention quand même quoi. Cellule de Genova. C'était donc ça. La réunion de Genova. Pas Sephiro, tu veux dire que pendant tout ce temps nous n'étions pas à la poursuite de Sephiro? Eh non. Je t'expliquerai plus tard, pour l'instant ma seule pensée c'est de battre Sephiro. Mais Sephiro, oui. Il est là, le vrai Sephiro se trouve plus loin. Il est à la fois incroyablement pervers et cruel, mais il libère une volonté surpuissante venue des profondeurs par la blessure de cette planète. Hop, on reçoit la matéria noire. La matéria noire est à nouveau entre nos mains. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est vaincre Sephiro et ce sera fini. Nous ferions mieux de ne pas emporter la matéria noire plus loin. Pourquoi ne pas la confier à quelqu'un d'autre? Ok, donc là en fait, le truc, c'est que vous pouvez la confier... Alors, là où j'étais regardé pour voir un peu comment se déroulait la suite de l'histoire,
soit on peut la confier, il me semble, à Red, soit à Barrett. Mais le problème, c'est que si le mec est dans votre équipe, ben, vous ne pouvez pas lui confier, quoi. Voilà. Je la confierai certainement pas à lui ou à lui. Sid, why not? Il y a Vincent, on va voir. Et si tu gardais la matéria noire? Je ne crois pas pouvoir. Ok, lui, il veut pas. La matéria noire et moi, ça fait deux. Voilà, lui, il veut pas. Je ne veux rien avoir à voir avec. Hein, c'est bon, il veut pas. Non, pas là. Attends, voilà. Donc, lui, il veut pas. Et non! Laisse-moi tranquille. Voilà, donc en fait, on n'a pas le choix. Nom d'un chien, ça chauffe maintenant. Ah, Barrette. Ne donne à personne, je compte sur toi. Encore heureux qu'il est là, n'empêche pas de se regarder. Donc, tous ces fascistes là, ils viennent avec moi, ils veulent bien profiter de ma matériel, de mes combats, de mon fric, tout ça, mais. Alors dès qu'ils veulent prendre des responsabilités, il n'y a plus personne. Putain, bande de lâcheurs. Bon, allez, on se barre, les mecs. Trouvons ces fiers. Nous entrons les premiers, vous les gars, restez dehors et montez la garde. Hop. Putain. Un pas. Un pas et j'affronte ces monstres. Qu'est-ce que c'est que ça? Hein, c'est pas eux qui grèchent des gravilles balles. Putain, ils font mal en plus. Hop. Bim. Ok, c'est fait. Et c'est fait. Ok, super potion. Putain, mais ils font extra mal, quoi. Bim. Bon, au moins, Tifa passe son level. Queue de phénix. Bon, on va sonner du coup. Turbo MP, je sais pas du tout ce que ça fait. D'ailleurs, c'est marrant, elle était jaune par terre, pourtant c'est une bleue. Utilisation de MP supplémentaire et magie double accrue. Bah écoutez, je regarderai plus tard ce que ça a comme effet parce que là. Je vais ouvrir le coffre avant de sauvegarder. Anneau poison, donc je suppose que ça protège de poison. Dissipe, ouais, anti-poison. On va peut-être quand même se foutre un petit éther dans la tronche. Hop. Voilà. Troisième tornade. Alors ici, il faut esquiver l'éclair, la tornade et le vent. Voilà, bim, raté. Problème, c'est qu'il faut aller très vite en fait. Putain, et en plus, ouais, dès que vous prenez la tornade, vous avez un combat, j'ai oublié de vous le dire. Ok, il est tout seul, c'est déjà ça. Voilà. Pas se laisser embêter non plus. Bon, on se concentre. C'est bon, pas très dur en fait. Le plus long à attendre, ça reste vraiment une espèce de mur de vent, quoi. Parce que la tornade est régulière, l'éclair, ces trois éclairs, puis ça s'arrête. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé? Calme-toi, Tifa. Sephiroth n'est pas loin, tout peut arriver. Ok, retour à Nibelheim. Nibelheim. Mais pourquoi un rêve, une illusion? C'est Sephiroth, l'auteur de cette illusion. Il essaie de nous embrouiller. Tout va bien se passer maintenant que nous savons que c'est une illusion, on n'a pas besoin d'avoir peur. Venez, continuons. Ouais, t'as raison. Regarde.
ce qui se passe. D'accord, partons. Oh, c'est plus Cloud. Cloud. Oh, d'accord. Il y a une phrase en anglais, je me rappelais pas, tiens, ça. Cloud's not here. Donc, Cloud n'est pas là. Je me demande qui ça peut bien être. Arrête, Séphira. C'est tellement idiot. Cette illusion va durer combien de temps encore? Comment en sortir? J'en sais rien, moi. Cloud, c'est une illusion, t'en fais pas. Et maintenant? Arrête! C'en est trop, c'est Sephiroth qui a fait ça? Voici ce qui s'est vraiment passé il y a 5 ans. Mais celui qui va sortir de la demeure Shinra, ce n'est pas moi. Il veut encore essayer de nous montrer une de ses illusions idiotes. Regarde, t'avais-je pas dit? Sangana, c'est toi, tu vas bien, n'est-ce pas? Alors viens ici m'aider. Je ne veux pas voir ça, Cloud, ne regarde pas. Je vais fouiller cette maison, et toi fouille celle-là, là-bas. Qu'est-ce qu'il y a, Tifa? Je te l'avais dit, non? Tant qu'on sait qu'il ne s'agit pas que d'une illusion, on n'a pas besoin d'avoir peur. Ça va. Nous étions dans une illusion. Sephiroth, je sais que tu écoutes, je sais ce que tu veux dire. Il y a 5 ans, je n'étais pas Nibelheim. C'est ça, non? Je vois que tu finis par comprendre. Ce que tu essaies de me dire, c'est que tu veux me déboussoler, non? Mais même tes stratagèmes ne m'atteindront pas. Je me souviens de tout, la fournaise de l'incendie, la douleur dans mon corps et dans mon cœur. Ah oui? Tu n'es qu'un pantin. Tu n'as pas de cœur et tu ne peux éprouver de douleur. Mais comment les souvenirs d'un tel être pourraient-ils avoir un sens? Ce que je t'ai montré, c'est la réalité. Et l'illusion, ce sont tes souvenirs. Ok. Cloud. Cloud. Tu comprends? Je ne veux pas comprendre. Mais je veux te demander une chose. Pourquoi? Pourquoi fais-tu ça? Ah, je veux te ramener à la réalité, à celui qui m'a remis la matéria noire ce jour-là. Qui croirait qu'une expérience ratée serait finalement aussi utile? Ojo mourrait s'il savait. Ojo, qu'a-t-il à voir avec moi? Il y a 5 ans, tu as été fabriqué par Ojo, pièce par pièce, juste après l'incendie de Nibelheim. Un pantin fait de fringantes cellules de Genova, de son savoir et du pouvoir de Mako. Un clone incomplet de Sephiroth, sans même un numéro. Telle est ta réalité. Ok. Ok, ils vont tous dire Cloud. Ah. D'accord, il se marre. Cloud, ne l'écoute pas. Bouge-toi les oreilles, ferme les yeux. Qu'y a-t-il, Tifa? Ça ne m'atteint pas. Je ne faisais pas attention à lui. Toute cette histoire d'Ojo qui t'a fabriqué est un mensonge. N'avons-nous pas de souvenirs communs? Notre enfance passée ensemble, les nuits étoilées. Ah, Tifa, pourquoi ces mots t'inquiètent-ils et t'effraient-ils? Veux-tu que je te montre, que je montre à tout ce que contient ton cœur? Ah, tu n'as pas l'air dans ton assiette. Tifa, Sephiroth dit-il vrai? Ah, je peux bouger. Cloud. Pourquoi as-tu si peur? Ne t'inquiète pas pour moi, je vais bien. Malgré ma confusion, je croirais jamais un mot de ce que Sephiroth dit. C'est vrai, parfois je sais plus très bien qui je suis. Tout semble se brouiller dans ma mémoire. Mais Tifa,
Tifa, tu m'as bien dit, ça fait un bail, Clad. Ces mots me soutiendront toujours. C'est avec moi que tu as grandi. Je suis Clad, Danny Brain. Même si je perds confiance en moi, c'est la vérité. C'est pourquoi tu ne devrais pas avoir si peur. Peu importe ce que les autres me disent, c'est ton attitude qui compte. Et il veut pécho, Clad. Non, c'est faux, Clad. Qu'est-ce qui est faux? N'est-ce pas moi qui ai grandi avec toi? Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je peux pas l'exprimer par des mots. Clad, j'ai besoin de temps. Donne-moi juste un peu de temps. Typique des femmes, ça, demander du temps. Psh. Oui, j'avais envie d'être mise. Clad, ne blâme pas Tifa. La capacité de modifier l'aspect, la voix et les paroles de quelqu'un, c'est là le pouvoir de Genova. À l'intérieur de toi, Genova s'est fondue avec les souvenirs de Tifa et t'a ainsi créé les enfants présents dans les souvenirs de Tifa. Un garçon du nom de Clad pourrait bien en avoir fait partie. Clad, je t'en prie, pour l'instant, ne réfléchis pas. Ben, tu l'as belle, toi. Ah, réfléchis, Cloud, Cloud. Oh, excuse-moi, tu n'as jamais eu de nom. Tais-toi, Sephiroth. Tu ne comprends toujours pas? Alors. Il dirait qu'il se réchauffe. Te rappelles-tu la photo que nous avons prise avant de partir pour le Mont Nibel? Tifa, tu te souviens, non? Il est impossible qu'il soit au courant. Bon, qu'est-il arrivé à cette photo? Ah bon, on a du bol, c'est le photographe qui est mort. C'est ça? Enfin, il est mort, il est inconscient. Tu veux voir? Ça a plutôt bien marché. J'aime bien cette photo, elle est très belle en plus. Cloud, ne... Je devrais être sur la photo. Même si je n'y suis pas, ce n'est pas grave. Tout cela n'est qu'un monde illusoire inventé par Sephiroth. Ah, c'est pas mal l'idée, quoi. Si je vois ce que je veux voir, j'ai raison, mais si je vois pas ce que je veux voir, c'est toi qui as tort quand même. Alors, dommage que la qualité soit merdique, parce que la photo, je l'aime bien. Là. Bon, même si Sephiroth a des épaules un peu massives, là. Et on voit donc quelqu'un d'autre, hein. C'était pas Cloud, évidemment. C'est ce que je pensais. Cette photo est fausse, la vérité est dans ma mémoire. Il y a 5 ans, je suis revenu à Dibelheim pour inspecter le réacteur, j'avais 16 ans. La vie n'avait pas changé du tout. Qu'ai-je fait? Ah oui. J'ai vu ma mère, j'ai vu les gens de la ville. Oui, je suis allé dans la chambre de Tifa et là j'ai joué du piano. J'ai ouvert son tiroir à culottes et j'ai regardé dans les tiroirs. Oh ben j'avais pas faux, j'avais pas faux. J'ai vu la lettre adressée à Tifa. Terrible. J'ai passé la nuit et suis allé voir le réacteur dans les monts Nibel. J'en étais tout agité. Parce que c'était ma première mission depuis que j'étais devenu première classe dans le soldat. Soldat première classe? Soldat? Quand suis-je entré dans le soldat? Comment intègre-t-on le soldat? Pourquoi ne puis-je pas m'en souvenir? Je suis paumé. C'est bien. Je n'avais pas à m'inquiéter parce que j'étais. Cloud? Allons, Tifa, ça va. Oh. Le petit Rufus. Donc, ouais, le passé de Cloud, c'est un peu bordélique là. Hein. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'était pas lui? Ouah, c'est incroyable! Ouais, c'est beau la nature quand on la saccage pas, hein. Bah, de toute façon, pour moi, l'histoire, bon, je parle pas de Cloud, hein, mais l'histoire générale, avec les réacteurs, avec le saccage de la nature, tout ça, colle parfaitement à notre monde actuel. Bon. Je trouve que c'est exactement ce qu'on fait, quoi. On fout le bordel. Rien que de la matéria. L'extérieur est riche en énergie Mako, l'intérieur est un trésor de matéria. C'est vraiment la Terre promise. Pour moi, ça reflète vraiment ce qu'on fait, quoi. On pompe toutes les ressources sans faire attention, quoi. La Terre promise est une invention. Une légende, une histoire de bonne femme, c'est absolument ridicule. Enfin, là, on commence doucement à ouvrir les yeux, mais bon, il est un peu tard, quoi. Tout est comme j'imaginais. Merveilleux, non? C'est le manque d'imagination qui fait de toi un scientifique de deuxième rang. Que se passe-t-il? Ça vient de l'intérieur du mur, il y a quelque chose là-dedans, ça bouge. Oh, alors oui, vous avez bien vu un œil. Alors là, si vous observez bien, alors je vais pas cliquer tout de suite. Donc là, il dit l'arme, ça va vous aider un peu. Regardez bien sur la gauche. En fait, c'est un corps. Si je dis pas de conneries, c'est un corps avec une tête. Et sur la droite, c'est un bout d'aile. Mais malheureusement, vous comprendrez mieux quand on les verra en vrai.
Alors ça existe vraiment, moi qui n'y croyais pas? Qu'est-ce que ça veut dire? L'arme, des monstres créés par la planète. Ça apparaît lorsque la planète est en danger et ça réduit tout à néant. Donc là, évidemment, il répète ce que Gast avait trouvé. C'est ce qui est indiqué dans le rapport du professeur Gast. Je n'ai jamais vu ce rapport, où est-il? Là, juste là, dans sa mémoire. Tu gardes beaucoup de choses pour toi. Ça va, Cloud et les autres. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un petit peu de matéria qui détruit la planète? Ok. Qu'est-ce que... Pauvre Barrett, c'était bon sang! Hein? J'ai tout perdu là, le Barrett. Hé hey, les gars! Où sommes-nous? Où a-t-on atterri? Donc là, c'est pas un bug, hein, le verre dégueu, là, c'est normal. Barrett, tu es là, je suis tellement content. Contente, tu es une femme. Tifa. Il se passe des choses incroyables ici, une obscurité totale s'est soudain abattue et tout le monde a disparu. Tout le monde attend, Cloud a des ennuis. Viens s'il te plaît, aide-nous. C'est par ici. Oui, oui. Je sais pas ce qui se passe, mais il va falloir s'y mettre. C'est un piège, fais gaffe. C'est encore tout vert derrière. Hi hi hi, et souviens-toi. La matéria noire. Ah, le coquignot, quoi. Tout sous Ned. Monsieur le Président, cet endroit ne me dit rien qui vaille. Oula. Là, il y a un gros bug. Rufus T ne me dit rien qui vaille. D'accord. Ok. Bonjour. Hé, hey, d'où viens-tu? Je sais pas. Je suis perdu. Ça va barder. Tu ferais mieux de me laisser me charger de tout et de partir tant que tu le peux. Te laisser te charger tout? Je comprends pas très bien. À nous non plus. C'est là que la réunion se déroule entièrement et où tout commence et finit. Cloud! Hé, hey, nous sommes là pour t'aider. C'est quand tu veux. Ah, ça y est. Je contrôle rien du tout là. Merci Barrett. Où est la matéria noire? Cloud, oh bien sûr, je l'ai. Je vais la prendre, donne-moi la matéria noire. Ça sert à quelque chose de me la donner, il y a deux écrans noirs. Hein. Tu n'entends pas ma voix? Ça va toi? J'adore quand ils ignorent Tifa depuis tout à l'heure, c'est terrible. Bon alors tiens, à force de tenir ce truc, je sentais le sang monter à la tête. Non, pas ça s'il te plaît, arrête Cloud. Merci, le reste je m'en charge. Allez, la matéria noire. Attends, juste un moment. Non, c'est pas trop ce qui se passe, c'est un peu le bordel. Merci pour tout, vous tous, c'est... Excusez-moi. Désolé. Désolé. Surtout envers toi, Tifa, je suis vraiment désolé. Tu as été si gentil avec moi, je sais pas quoi dire. Je n'ai jamais été digne de Cloud. Tifa, peut-être qu'un jour tu rencontreras le vrai Cloud. Ah, c'est parfait, cela signifie que mon expérience a été un succès complet. Quel numéro portais-tu, hein? Où est ton tatouage? Une idée, mais... Professeur Ojo, je n'ai pas de numéro. Vous ne m'avez pas donné parce que vous avez dit que j'étais une expérience ratée. Que diable, tu veux dire que seuls mes échecs se retrouvent ici? Je t'emmerde, non mais oh, reste poli, hein.
Professeur, donnez-moi un numéro, s'il vous plaît. S'il vous plaît, professeur. Ferme-le, misérable échec. T'es vraiment une levette, un club. Et tu voles en plus. Qui est-ce? C'est un clone de Sephiroth que j'ai créé après la mort du vrai Sephiroth il y a 5 ans. Ce sont les cellules de Genova et l'énergie Mako, ainsi que mon savoir et mes talents liés à la science et à la nature qui ont donné la vie à ce clone de Sephiroth. Je n'aime pas l'idée que ce soit un échec, mais la théorie de la réunion de Genova a été vérifiée. Tu vois, même si le corps de Genova est dissocié, il finira par se reconstituer. C'est ça, la réunion de Genova. J'attends depuis longtemps le début de la réunion. 5 années ont passé, mais maintenant les clones ont commencé à se retourner. Je pensais que les clones commenceraient à se réunir à Midgar, où Genova est conservée. Mais je me suis trompé dans mes prédictions. Genova elle-même a commencé à s'éloigner du bâtiment Shinra. Donc là, il y a Cloud à l'envers. Ça choque personne, hein. Comme je suis un génie, je m'en suis vite aperçu. Tu vois, tout cela était l'œuvre du seul Sephiroth. Sephiroth ne se contente pas de répandre sa volonté dans la rivière de la vie. Il veut en plus manipuler lui-même les clones. Non mais les mecs, il y a un mec debout à l'envers au plafond. Là. Oui, c'est ainsi que ça a commencé. Je me suis demandé où les clones allaient, mais je n'ai jamais compris. Il fallait les suivre, c'est tout. Je n'ai pas compris moi non plus. Mais ce que je savais, c'est que Sephiroth avait atteint la destination finale. Je ne poursuivais pas Sephiroth. J'étais appelé par Sephiroth. C'est différent, non? Avec toute la colère et la haine que je lui portais, il m'est impossible de le chasser de ma mémoire, ni d'oublier cela ou ce qu'il m'avait donné. Sephiroth, Sephiroth, je suis là et je t'ai apporté la matière noire. Montre-toi, où es-tu? Voilà les mecs, hein, si ça va vite, ça fait rien. Sephiroth, ainsi on se retrouve enfin. Alors là, de mémoire, il y a une belle cinématique qui arrive. Ouais. Hop! La Barrette, y a pas peur, lui. En dessous d'un œuf de 500 kg, il bouge pas. Et ouais, Sephiroth est là. Dans les glaces, ou je ne sais quoi, ou dans la matériole. Tu as vu, c'est Sephiroth. Alors, il est ici. C'est parfait, à la fois la réunion de Genova et la volonté de Sephiroth. Elles ne seront pas répandues dans la rivière de la vie, mais réunies ici. Qu'est-ce qui vous rend si heureux, professeur? Vous savez ce que ça signifie, non? Cloud a la matière noire. Sephiroth va convoquer le météore, tout le monde va mourir. Quoi que je dise maintenant, c'est trop peu, trop tard. Nous devons évacuer. Je veux que vous veniez tous avec moi. Il y a encore beaucoup de choses que je veux entendre. Oh Cloud, arrête, laisse tomber. C'est le cas de le dire. Cloud. Je trouve vraiment stylé ces films, quoi. Il n'y a pas à dire. Et là, ça va être le bordel, je vous le dis tout de suite. Là, on se casse en haut vent. Là, faut quand même dire merci Rufus parce que sans lui, on était désintégrés. Et là, les armes se réveillent.
Tifa qui a des nibards aussi gros que sa tête. Donc en tout, on a vu normalement, si je dis pas de bêtises, 4 armes qui viennent de se réveiller. Donc là de mémoire, je peux vous les énumérer. Il y aurait donc l'arme rubis, je crois que c'est celle du désert. L'arme émeraude, celle de l'eau. Il y a une arme volante et l'arme diamant. Je crois que c'est diamant la troisième. Là j'adore, là c'est le moment où ça part en couille. Ok, on dirait un mini cloud avec une épée. Cloud. Cloud. Ah ouais, c'est bien ça. Ah non, il était juste accroupi, d'accord. Je ne savais pas quoi faire, j'ai toujours été comme ça. Qu'est-ce qu'il y a? Oh! Pauvre enfant. Aïe! Ah, ça me manque quand même, le secteur 7, il était chouette. Est-ce que ça va? Oh, aïe! T'as pas l'air très bavard, hein. Tifa? Tifa? Tifa! Oh, Cloud! C'est bien ça, je suis Cloud. C'est vraiment toi, Cloud? J'aurais jamais pensé te trouver ici. Ça fait un moment, hein? Qu'est-ce qui t'est arrivé? T'as pas l'air d'aller bien. Hein? C'est rien, ça va. Ah, t'as l'air d'aller bien, mon gars. Ça fait combien de temps? Cinq ans? Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait vraiment longtemps. En fait, ça fait 7 ans. Tu as rejoint le soldat comme tu voulais. Tu es parti après l'incident avec Sephiroth. Et maintenant, tu es un mercenaire. Tu m'as longtemps raconté ce qui s'est longuement raconté ce qui s'est passé après ton départ de Nibelheim. Mais il y a quelque chose de bizarre. Les choses que tu m'as racontées m'ont laissé une impression étrange. Ce que tu ne savais pas, que tu aurais dû savoir, ce que tu n'aurais pas dû savoir, que tu savais. Je voulais connaître la vérité. Mais on m'a dit alors que tu partais très loin. Et je ne voulais pas. Je ne savais pas que faire, j'ai donc pensé qu'il me fallait plus de temps. C'est pour ça que je t'ai parlé d'Avalanche. Je voulais être avec toi, prendre soin de toi. Si ça pouvait éviter de planter maintenant, ça m'arrangerait parce qu'il y a quand même eu, je crois, 15 minutes de blabla de vidéo. Où est-ce qu'on est? Bing! Hein? Cette lumière. Tu vas bientôt aller mieux. Tu as dormi pendant longtemps. Donc là, je peux pas zapper en fait. Hein. J'ai faim.
Hey, mais pourquoi tu ne demandes pas? À son sujet. Parce que j'ai peur. T'en fais pas, je sais pas non plus ce qui arrive à Cloud. Vaudrait mieux que je te ne dise pas de... Vaudrait mieux que je ne te dise pas de ne pas t'inquiéter. Personne ne sait s'il va bien. Il est encore en vie, hein. Pendant combien de temps j'ai dormi? Voyons, ça doit faire 7 jours. Ça va? Et Sephiroth? Tu n'es pas encore au bout de tes peines. Tu te souviens de cette grande lumière dans la grotte nord? Depuis, le cratère a été encerclé par un anneau de lumière. On sait tous que Sephiroth dort au fond de cette cavité, protégé par cet anneau. On ne peut rien faire, malheureusement. On doit juste attendre qu'il se réveille. Et pour couronner le tout, un gros monstre appelé Arm a fait des dégâts. Arm? Tu te souviens de ce gros monstre qui se trouvait avec Sephiroth au fond du cratère? Eh bien, il est maintenant revenu à la surface. On dit que c'est un de ces monstres légendaires surgis du passé. L'arme protège Sephiroth? Je sais pas, mais il est ici et il détruit ce qu'il trouve sur son passage. En ce moment, Rufus se bat contre lui. Je voudrais pas l'avouer, mais il a du cran. Nous aurions dû en faire notre affaire, mais on n'a pas le temps. Le temps. Et Eddie, le météore. Alors. On va tout de suite équiper le petit Barrette parce qu'il y a sa vieille arme. Alors attendez, hein. 5. C'est déjà mieux. Voilà, c'est bon. Alors normalement ce sera le bracelet dragon. Voilà. Et en accessoire. Donc Cloud a été totalement déséquipé. De tout. Normalement. Voilà. Les effets sup, coupure sup, longue portée. Attendez, on va vérifier un truc. Ouais. Donc là, je vais pas mettre longue portée sur lui vu que son arme est déjà longue portée. Donc je vais l'enlever et le mettre à la petite Tifa. Voilà. Alors attendez. Hein. Foudre tout. Poison, élément de base. Pour l'instant, je vais laisser que Bahamut, hein, vu que le petit Barrette est très faible aussi. Bah écoutez, on va rester comme ça, hein. Et toi, t'as encore tout? Ouais, nickel. Voilà, c'est terrible, on peut marcher pendant la vidéo. Eh oui. Le fameux météore. Vous voyez, c'est pas un petit machin, hein. On doit vraiment abandonner? Je ne sais pas. Je croyais que Cloud viendrait tous vous sauver. Le professeur Ojo voulait aussi savoir des nouvelles, avoir des nouvelles de Cloud. Qu'est-ce que tu vas faire à Cloud? L'alter ego de Sephiroth. Le météore a été invoqué. En fait, ce n'est pas fini. On n'a donc pas besoin de toi pour le moment. Non, il y a peut-être du boulot pour toi. Président, tout est prêt pour l'exécution en public. Exécution? Qu'est-ce que ça va bien de changer de nous exécuter? Vous devez être exécuté pour avoir créé cette situation. Les gens n'ont pas grand-chose dans la tête. Ils iront mieux s'ils savent que quelqu'un a été puni. Mets-lui un coup de boule, vas-y. Je regrette d'avoir eu une pensée aimable pour cet imbécile. Profitez alors de vos derniers moments ensemble. Laissez-moi vous attacher les bras. Alors là, je vais essayer de vite me placer en ligne de défense parce que ben Barrette, comme il est en longue portée, j'ai oublié de le déplacer en défense et on peut pas. Fait chier. Ah si, on peut.
Hop, bah, vu qu'ils sont un peu plus faibles, donc c'est un level suffisant, hein, je m'inquiète pas, mais bon, c'est pour éviter de prendre des dommages pour rien. Alors ça sert à rien d'essayer de s'enfuir, hein, on peut aller nulle part, il y a un mur invisible qui nous en empêche. On peut parler à personne. Peut-être à Heidegger. Même pas, il veut pas. Et on peut pas sortir, ok. Ah, un point de sauvegarde. Mais je pense qu'on va s'arrêter là. Parce que voilà. Ouais, je pense qu'on va s'arrêter là. On a déjà bien progressé. Hop, fente 1. On va faire une sauvegarde au milieu. Et une sauvegarde ici. Voilà. Voilà, donc j'espère que cet épisode vous aura plu. En tout cas, moi là, franchement, je suis super content. On a super avancé au niveau du scénar, quoi. Ça fait du bien un petit peu de progresser, quoi. Et de pas toujours faire que des bêtes combats sans trop savoir où on va. Donc voilà, donc la prochaine fois, on va encore pas mal avancer normalement. Bon, un peu moins, parce que là, on s'est quand même pris quasiment 20 à 30 minutes de scénar dans la tronche, enfin de blabla non-stop. Mais voilà. Donc moi je vais vous laisser là, portez-vous bien et je vous dis eh bien à la prochaine pour la suite de ce let's play. Bye!